Salut les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des couleurs de voix différentes. En d'autres termes, comment modifier un petit peu le son de ta voix, la couleur de ta voix, mais avec une bonne connaissance de ton instrument. Donc on va parler de mécanismes, de résonateurs et de connexion au corps. En gros, je te parle de notions, de paramètres, de réglages de ta voix qui vont avoir un impact sur la couleur de ta voix. Donc ça, c'est dans le but où tu as envie peut-être d'enrichir ton interprétation et que tu as envie d'avoir un petit peu plus de relief dans ta façon de chanter. Et ça te permettra surtout en fait d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ta voix, ce qui est une étape indispensable vers le contrôle de ta voix. Attention parce que pour les débutants, la vidéo elle peut être dense, donc je vous renverrai à d'autres vidéos que j'ai faites si vous voulez aller plus dans le détail. Pour les nouveaux qui passent par là, abonne-toi, petit pouce, tout ça. Sur cette chaîne, on apprend à chanter avec une technique saine et solide. Je suis chanteuse lyrique de formation et sophrologue, donc je souhaite t'apprendre à mieux comprendre ton instrument pour que tu puisses l'utiliser et bien préserver ta voix. L'une des façons pour trouver des variétés de sons, des variétés de couleurs, en fait, c'est de varier tout simplement le mécanisme. Alors, je rappelle ce que c'est qu'un mécanisme, c'est une configuration du larynx. Donc le larynx, hein, c'est le cartilage que tu as ici, mais plus exactement, quand je dis larynx, c'est tout ton appareil vocal. Donc c'est une configuration différente, donc ça va être un positionnement du larynx différent, ça va être les muscles qui sont engagés aussi, qui ne vont pas être les mêmes. Et en fait, ça va te faire une configuration qui va te mettre dans un mécanisme ou un autre. Donc on en a 4. On a le mécanisme 0 qui est le fry. En fait, ça c'est une vibration lente des cordes vocales, donc ça on l'utilise quasiment pas. On a la voix de poitrine, donc c'est le mécanisme 1, donc ça c'est la voix avec laquelle on parle, donc c'est la plus répandue, on va dire. On a ensuite le mécanisme 2, c'est la voix de tête qui est plutôt associée aux aigus. C'est la voix des petits garçons et des petites filles avant la mue, mais bien évidemment que maintenant on parle avec la... Quand on est adulte, on parle avec la voix de poitrine, mais on a encore la voix de tête. Les femmes, c'est sûr, les hommes, ils peuvent garder aussi une voix de tête, mais tout le monde ne l'a pas. Et ensuite, on a le mécanisme 3 qui est la voix de sifflet. Mais aujourd'hui, on ne va pas en parler parce que ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne, tout le monde n'a pas la voix de sifflet, ça concerne quand même un tout petit pourcentage. Donc, on va surtout parler, pour commencer, du mécanisme 1 et du mécanisme 2, c'est-à-dire la voix de poitrine, on peut aussi l'appeler la voix de gorge et la voix de tête. Alors, bien évidemment, si tu parles ou si tu chantes dans le mécanisme 1 ou dans le mécanisme 2, tu ne vas pas avoir la même couleur, ou plus exactement, le même type de son qui va sortir. Si tu chantes en voix de poitrine, ça va donner un truc du style « la ». Si tu chantes en voix de tête, ça pourrait donner « Bien évidemment, comme je t'ai dit, la voix de poitrine, elle est plutôt pour les graves, la voix de tête, elle est plutôt pour les aigus. En revanche, il y a toute une partie de ta voix où tu peux à la fois chanter en voix de poitrine et à la fois chanter en voix de tête. Donc c'est dans cette zone-là que tu vas pouvoir varier la couleur. Parfois, tu pourras décider de chanter en voix de poitrine parce que tu trouves que ça s'y prête mieux, c'est plus joli, peut-être que c'est plus en adéquation avec le texte, ou alors en voix de tête. Et après, à partir de cette voix de poitrine et de cette voix de tête, tu peux aussi varier la voix de poitrine et varier la voix de tête. Notamment, et je ne peux pas tout citer, mais tu peux rajouter de l'air. Donc tu peux faire une voix de poitrine avec de l'air ou une voix de tête avec de l'air, avec ou sans air. Si tu mets de l'air, ça va avoir une couleur beaucoup plus douce, beaucoup plus fragile, beaucoup plus chuchotée. Si tu ne mets pas d'air, ce sera forcément plus puissant, plus timbré. Par exemple, on peut citer Carla Bruni qui utilise une voix de poitrine avec de l'air. Je trouve aussi que Angèle utilise, met un petit peu d'air dans sa voix de poitrine quand elle chante aussi. Au niveau de la voix de tête avec de l'air, je trouve que Mariah Carey utilise beaucoup ça. D'ailleurs, Mariah Carey, elle joue beaucoup justement entre sa voix de poitrine et sa voix de tête.
et elle n'hésite pas à avoir une voix qui n'est pas homogène, c'est-à-dire une voix de poitrine qui est très poitrinée et une voix de tête avec de l'air, et elle n'utilise pas forcément, ou pas tout le temps en tout cas, de voix mixte entre les deux. Donc tu vois, ça c'est une autre chose aussi que tu peux faire, c'est utiliser la voix mixte, mais ça on va y revenir quand on va parler des résonateurs. Donc si je te donne un petit exemple de voix de poitrine avec ou sans air, la sans air, la avec air, maintenant une voix de tête, la, là j'ai mis de l'air, et sans air, la. Et tu peux même encore plus rajouter de l'air en faisant la. Alors dans les chanteuses qui vont beaucoup utiliser la voix de tête mais sans air, donc vraiment très timbrée, on va retrouver Evanescence par exemple, Taria de Nightwish, et puis bien évidemment les chanteuses d'opéra. Te rappeler que que ce soit la voix de poitrine ou la voix de tête sans air, c'est la voix de base, c'est celle que tu dois commencer à installer parce que c'est celle qui a le moins de défauts en d'autres termes. C'est celle dont la strate, c'est-à-dire la technique de base pour que ton instrument ne soit pas serré, qu'il ne soit pas malmené et que ta voix soit bien sur le souffle, c'est par cette voix-là qu'il faut commencer. Et ensuite, tu pourras. Mais ça, c'est moi qui le dis. Peut-être que d'autres professeurs de chant pourraient penser autrement. Mais moi, je pense qu'il faut faire dans ce sens-là. Et ensuite, tu peux rajouter de l'air. Mais tu sauras revenir à une voix timbrée quand tu le souhaites. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la voix avec de l'air, c'est une voix qui peut éventuellement fatiguer la voix. Parce que, en fait, tu fais passer beaucoup d'air entre les cordes vocales, donc ça peut les assécher. Et tu peux aussi utiliser un petit peu de resserrement au niveau de ton larynx. Et comme tu le sais, je te l'ai déjà dit des milliers de fois sur cette chaîne-là, pour bien chanter à la base, pour avoir une base solide, il faut zéro tension parasite dans ton corps. Ça, c'est la base. Et ensuite, si tu veux, tu peux rajouter des petits resserrements, rajouter un petit peu d'air, c'est-à-dire, on va dire, défaire ou modifier des petites choses de la technique de base, mais en conscience de ce que tu fais. Tu sauras que quand tu rajoutes de l'air, ce n'est pas subi, mais c'est parce que tu l'as décidé. Et tu sauras que tu peux potentiellement te fatiguer un petit peu les cordes vocales, mais tu sauras revenir à une voix timbrée. Donc tu sauras très bien faire parce que tu auras une très bonne connaissance de ton instrument. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais j'imagine que ce que tu as envie de savoir, c'est comment on fait. Donc bien évidemment que je ne peux pas te faire un cours de 4 heures sur le sujet, mais je vais essayer de te donner des pistes pour réussir à trouver la voix de poitrine, la voix de tête avec et sans air. Alors, comment on fait pour trouver la voix de poitrine ? On va commencer par le plus facile parce que la voix de poitrine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ta voix parler, ou en tout cas dans 90% des cas, c'est ta voix parler. Donc il suffit ensuite de déplacer ta voix parler à la voix chantée. Par exemple, tu dis « Je m'appelle Aurore », ensuite tu vas faire « Je m'appelle Aurore, je m'appelle Aurore, je m'appelle Aurore ». Donc tu prends ta voix parlée et puis tu essaies de la monter un petit peu plus. Si malgré tout tu n'arrives pas à trouver cette voix de poitrine, il y a des gens, surtout des femmes, qui vont avoir tendance à parler un petit peu plus en voix de tête, et bien en fait tu vas imaginer que tu es très autoritaire ou que tu engueules quelqu'un mais de façon autoritaire. Tu fais hey, « Hé toi !» Et en fait quand tu fais ça, tu vas forcément en fait modifier les pressions d'air qui vont te faire basculer en voix de poitrine. Tu fais hey, « Hé toi là-bas hey, !»« Hé oh !» Mais attention, hein, j'ai bien dit de l'autorité. On engueule quelqu'un mais pas en criant, avec de l'autorité. Donc de l'autorité si on reste calme. Sinon tu vas mettre trop de pression, tu vas mettre trop de tension parasite et tu vas pousser sur tes cordes vocales, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de t'apprendre. Je te fais une toute petite mise en garde. Il faut que tu saches que la musculature qu'on utilise pour la voix de poitrine est plus lourde, plus épaisse que la musculature qu'on utilise pour la voix de tête. Donc là, je m'adresse surtout aux femmes. Si tu n'as pas du tout l'habitude de chanter en voix de poitrine, et surtout en voix de poitrine bien, bien poitrinée, bien épaisse, fais attention parce que tu pourrais fatiguer un petit peu musculairement ta voix. Alors c'est pas grave du tout, il suffit juste de dormir un peu, de se détendre et ça revient. Mais sache que si tu n'as pas l'habitude, c'est possible que tu ressentes une petite fatigue.
faut simplement y aller doucement et n'essaye pas non plus de monter trop vite la voix de poitrine trop haut. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, encore une fois, il faut pas avoir peur, on se détend, on peut rarement faire des très grosses conneries quand on chante, mais mon but, c'est de te mettre en garde sur les petites choses qui peuvent t'arriver. Alors maintenant, comment on fait pour trouver la voix de tête? Alors, pour les femmes, ce sera beaucoup plus facile que pour les hommes. Pour les femmes, tu fais juste une note aiguë. Et normalement, tu devrais tomber sur la voix de tête. Si c'est pas le cas, tu essaies de penser une voix de petite fille. Une voix de petite fille qui imite une princesse. Ah, un jour, mon prince viendra. Et là, normalement, tu devrais trouver cette petite voix de tête. Il faut trouver vraiment quelque chose de très léger. Comme je t'ai dit, la musculature est plus fine. Pour les hommes, maintenant, la voix de tête, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Alors, je te donne juste quelques pistes. La première piste, c'est que tu peux tout simplement prendre ta voix de poitrine, donc ta voix naturelle. Tu essaies de la monter le plus haut possible et tu vas voir qu'au bout d'un moment tu ne pourras plus monter parce que le mécanisme de poitrine n'est pas fait pour monter aigu et normalement tu devrais entendre une cassure où tu vas basculer en voix de tête, un petit peu comme quand les ados en fait c'est le passage entre la voix de poitrine et la voix de tête. Donc attention, là je fais vraiment que vous donner des pistes qui fonctionnent avec la majorité de mes élèves, mais bien évidemment toutes les voix sont différentes, toutes les voix ont leurs particularités, donc je ne peux pas m'adapter à tout le monde. Donc c'est à toi, encore une fois, je te rappelle, de faire ton petit chimiste à la maison et de faire ton petit laboratoire d'expérimentation de la voix chez toi. Et bien évidemment, garde toujours un esprit critique sur ce que je dis. Essaye sur toi, si tu vois que tu as des tensions, des choses qui sont pas agréables, etc., eh bien, mets de côté les conseils. Garde ce qui te fait du bien et mets de côté le reste. C'est peut-être pas le moment pour toi, c'est peut-être pas adapté à ta voix, tu y reviendras plus tard. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait du timbré et du détimbré, c'est-à-dire une voix avec de l'air et une voix sans air? Donc quand on a une voix bien timbrée, c'est quand on a une voix qui est bien sur le souffle, donc que l'accolement des cordes vocales se fait sur toute la longueur, et en plus que la voix elle est bien placée dans les résonateurs. Donc si tu veux avoir une voix détimbrée avec de l'air, il faut que tu enlèves les résonateurs et que tu rajoutes de l'air. Donc je vais vous donner une petite astuce, mais faites-la que si vous connaissez déjà quand même pas mal la technique vocale et que vous avez une voix assez saine. Donc vous pouvez faire un petit resserrement. Vous faites un petit resserrement ici, vous faites passer d'abord de l'air et ensuite vous faites passer la voix. Et si tu as naturellement de l'air dans la voix mais que tu n'en veux plus, et bien là il faut que tu fasses les exercices de base comme la paille et le se. Il y a aussi maintenant l'intermédiaire entre la voix de poitrine et la voix de tête qui est la voix mixte. Donc la voix mixte, hein, c'est une construction des professeurs de chant, c'est une construction de pédagogie, ça n'existe pas en tant que tel. Si tu vas voir un phoniatre et que tu le parles de la voix mixte, il se peut qu'il ne comprenne pas du tout de quoi tu parles. Donc la voix mixte, hein, c'est soit une voix de poitrine qui imite les résonateurs de la voix de tête, soit une voix de tête qui imite les résonateurs de la voix de poitrine. Donc en fait cette voix mixte elle va te permettre de faire le lien entre ta voix de poitrine et ta voix de tête sans entendre la cassure entre la voix de poitrine, le basculement entre la voix de poitrine et la voix de tête, et c'est encore une voix qui peut te donner une couleur différente. Donc là j'ai absolument pas le temps de t'en parler sinon cette vidéo va durer des heures et des heures, mais je te renvoie à la vidéo concernée. Maintenant, on va enfin parler de la deuxième façon, deuxième paramètre pour modifier la couleur de ta voix, et ce sont les résonateurs. Là, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet-là, mais je vais te la résumer aujourd'hui. Les résonateurs, qui sont au nombre de 3, on a le masque, on a le voile du palais, et on a le pharynx. Donc autant les mécanismes c'était vraiment une différence de muscle et de configuration du larynx, là on est vraiment à cet étage là et c'est une configuration des résonateurs. D'accord ? Donc un résonateur c'est une cavité dans laquelle va venir
vibrer, résonner. Le son, attention, ce n'est pas l'air qui passe, mais c'est bien le son qui vient vibrer. Et en fonction de la forme et de la qualité des muqueuses de ce résonateur-là, tu ne vas pas développer les mêmes harmoniques et donc tu ne vas pas développer le même type de son. Bien évidemment, tu peux moduler tes résonateurs en voix de poitrine, tu peux moduler tes résonateurs en voix de tête. Comme un peintre qui a en fait sa palette de couleurs, tu mets un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, etc. Tu fais des mélanges en fait, tu peux faire des mélanges, c'est-à-dire que tu peux décider de mettre du masque avec un petit peu de voile du palais, avec un petit peu de pharynx, pas trop, etc. En fonction de la couleur que tu as envie d'avoir. Et tu peux faire ça à la fois sur ta voix de poitrine et à la fois sur ta voix de tête. Et tu peux aussi rajouter un petit peu d'air, etc. Donc tu vois en fait que tu as plein de configurations différentes que tu peux faire, plein d'associations différentes. Donc je te rappelle quand même hein, que pour travailler tes résonateurs, il faut quand même que en dessous la base soit saine, c'est-à-dire que tu saches bien faire la respiration du chanteur, que tu saches bien mettre la voix sur le souffle et que tu aies conscience de toutes les tensions parasites que tu peux avoir dans ton instrument pour les enlever. Donc ça, c'est ce dont je te parle dans ma formation en ligne. Rappel numéro 2. Il n'y a pas de formule mathématique, une recette toute simple du style « chantez bien en 5 minutes », ça n'existe pas. Ce que je vous dis là, vous allez l'obtenir avec du travail régulier et sur du long terme. Donc là, maintenant, je vais te montrer des exemples de différentes façons d'utiliser ces résonateurs. Si j'utilise que le résonateur du masque, vraiment là je l'isole au maximum, donc ça donne un son assez perçant avec beaucoup d'harmoniques aiguës. Si je commence avec un son bien dans le masque, que ensuite je soulève le voile du palais et que ensuite en plus je le fais basculer en ouvrant le résonateur du pharynx, ça va donner quelque chose comme ça. Donc tu remarques qu'on peut avoir l'impression que le son il devient de plus en plus grave. En fait, il ne devient pas de plus en plus grave, mais les harmoniques sont de plus en plus graves. Donc ça donne, le dernier est beaucoup plus rond que le premier. Et la dernière chose dont j'avais envie de te parler, c'est la connexion au corps. Tu peux jouer avec la connexion au corps pour avoir des types de voix un petit peu différents. La connexion au corps, c'est tout simplement cette connexion au souffle. Alors, tout simplement, non. Mais on va dire tout simplement cette impression que ta voix résonne bien bas dans ton corps. Donc, tu peux faire cet exercice-là. Une fois, tu mets ta main ici, tu chantes quelque chose et tu essaies de ressentir le maximum de vibrations ici. Donc là, je ressens bien ici, je sens que ma voix, elle est profonde. Et maintenant, tu peux aussi te dire, je fais la même chose, mais avec moins de vibrations ici, quelque chose de plus léger, peut-être quelque chose qui va résonner un petit peu plus ici, tout en restant en voix de poitrine. Et j'ai pas pour autant rajouté de l'air dans ma voix. Donc tu vois que tu as vraiment plein de façons différentes de pouvoir modifier ta voix, d'avoir des couleurs un petit peu différentes. Mais pour ça, il faut que tu fasses ton laboratoire d'expérimentation de la voix, c'est-à-dire que tu cherches des choses à la maison. Donc là, je t'ai donné vraiment énormément de pistes dans cette vidéo qui, à mon avis, va durer un petit peu trop longtemps, mais c'est pas grave. Je te rappelle que tu peux suivre aussi ma vidéo en ligne avec des vidéos préenregistrées. C'est 4 semaines pendant lesquelles en fait tu peux m'envoyer des enregistrements de ta voix et tu peux me poser toutes tes questions. Je te fais des retours constructifs pour améliorer ta voix. Dans cette formation, on voit la respiration, la voix sur le souffle, la détente et le mental, et le résonateur du masque qui est, à mon sens, le résonateur le plus important quand on veut commencer à se construire une voix saine. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce et de commenter si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très vite.